Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kingdom Reborn. Alors, oui, on vient d'un nouveau quartier parce qu'au niveau nourriture, ça commençait à baisser. On avait la production qui baissait grandement. La grande salle qui est presque terminée là. Théâtre pareil, ça pareil. Ah oui, on va fromager. Bon, ça, il y a encore du chemin. Hein. Ok. Au niveau de la production de fer, on est très bien, très très bien. Je vois que pour le reste, on s'en tire bien. La bière, là, ça... Ah, ça y va, la binouze, hein. T'inquiète pas que la binouze, le cannabis, ça y va, hein. Ça, ils ont pas de problème. On va faire des canons, des. Oh, pas beaucoup de canons qui coûtent très cher. Très très cher. Combien ça? 5 000 au point de vie. Ah oui. On va faire quelques canons, ça va nous coûter une blinde, mais bon. On avait une vengeance à faire contre les hommes du Nord, là. Enfin, les autres hommes du Nord, parce que nous, on est les vrais hommes du Nord, t'as vu. Enfin, contre les faux hommes du Nord, tu me diras. Bureau de recherche, verrerie, verrerie. M'intéresse pas tant que ça, la verrerie. Allez, on va prendre ça. Ici, ça travaille bien. Ici, ça travaille on ne peut mieux. Ok. Je veux juste voir si on a bien de la main-d'œuvre locale. Oui. Oui, ça reste de la main-d'œuvre locale. Ah oui, j'avais décidé de tout couper aussi. J'avais oublié ça. Oh, sans abri. Tiens, non. Ah oui, mais j'ai largement assez d'ouvriers. Là, c'est en pause. Oh oui. Tiens, juste histoire de. Comme ça, quand on relancera, on sera bon. Tout là, on est bon, hein. Ah. Ah, ferme de champignons avancée. Effectivement, j'ai des. Oula, oui, d'accord, j'ai des choses à. Alors j'accepte, mais juste pour les règles de production. Ouais, j'ai ça aussi. C'est vrai qu'il me faut de la pierre. Il me faut de la pierre à gogo. Bon. Là, tu me diras, normalement, j'en consomme moins. Ah mais attends, j'ai plein de routes encore améliorées. Hein. Donc le j'en consomme moins, il n'est pas non plus vrai de chez vrai quoi. Je le mettrai sur une extraction dans laquelle j'en aurais besoin. Hop, allez, je vais continuer à faire quelques routes pavées pour améliorer la vitesse de déplacement de mes villageois. Là, apparemment, j'ai besoin d'une belle route. Ok. Bon, bah, ça va me consommer de la pierre encore, toute cette bêtise-là, mais bon. Par contre, là, j'en ai fait un trop. Il y a une mouche qui me tourne autour. Si à un moment, vous entendez un gros. Là! C'est normal. Hop. 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 Attends, la taille du chemin là. Hop là. Hop là. Ah, mine de rien, tout ça, ça fait de la pierre. Hein. Hop, 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 hop. Trop loin du stockage. Ben non, là, un entrepôt. Tu connais pas? Vraiment, il se considère comme trop loin du stockage. Mince. Oups. Bon, bah. Pas le choix, hein, je vais en faire un là. Ah, j'ai pas envie de lui faire une construction rapide. Bon, on a une grande salle. Pourquoi pas, c'est correct, c'est sympa.
Les jolies fleurs et tout. C'est sympa, c'est sympa. Besoin d'entrée. Fromager. Ah oui. Bureau de recherche, ouais, papeterie, ouais. L'enlèvement, il se barre là. Toi, tu te barres là. Voilà. Guilde des fromagers, outils spécialisés. Voilà. Comme ça, on a de la production et de nourriture. Bon, à terme, on aura de la production de nourriture. Et de lait. Et je sais pas si le fromage est considéré comme de la nourriture. Ou un bien de luxe. Ouais, je vois pas de fromage. Hein. Ah ouais, non, je vois pas de fromage. Bon, bah, c'est considéré comme de la bouffe de base, apparemment. Dommage. Ah ouais. Ah, gagne plus 10 quand il est consommé. Voilà, j'ai fait pour 180 de fromage. Ok. Oh, mais c'est bien. C'est très bien, même. C'était clairement pas prévu. 10 d'or, quoi, pour chaque consommation de fromage. Bah, achetez le fromage, achetez mon fromage du les mecs, hein. Attends, prix. Je peux le vendre plus cher. Attendez, attendez, j'ai l'impression que y a pas de son là. Y a du son, y a du son, y a pas de son là. Vous avez du son ou pas? Vous avez pas de son. Je vais essayer de vous remettre du son. Propriété. Ok. Bon. En attendant, voilà, production de bois. Elle va remonter. Hein. Papeterie. Ça, c'est quoi ça? Un lac ou c'est une mer? Ça, c'est une mer. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Bah, et tu fais face à la mer là. Face à la mer. Ah, faut... Ça, c'est un peu chiant ça. C'est le port de faire face à la mer, mais s'il est trop proche de la mer, c'est pas bon quoi. Il doit être dans un endroit vraiment plat, chez plat quoi. Et je trouve que c'est un peu mal foutu. Là, je pourrais, mais bon, j'ai déjà quelque chose. Là, j'aime pas trop là. Vous voyez? Les autres ports, il y a de la marge, mais alors celui-là, il y a zéro marge quoi. C'est terrible. J'ai pas non plus 50 accès à la mer, moi. Un là, quoi. C'est pas terrible, hein. Ouais, là. Bah. Ok. Toute façon, je n'ai pas besoin de beaucoup plus pour l'instant. Je sais que plus tard, il y aura une évolution de ça qui permettra de ne pas avoir accès, enfin, de ne pas être à côté de ce bâtiment pour produire, enfin pas être à côté, pardon, d'eau pour produire du papier. On verra. Hop, là on est bien. Faire quelques maisons. Oh, c'est con ça aussi, hein. Pour faire des masses de plus. Hein. Voilà. J'ai une taverne dans le coin. J'ai pas de taverne dans le coin. Oh les pauvres. Faire une taverne quand même. Faire marcher une taverne.
Les marchés. Taverne. Arrête d'être un peu grosse la taverne. Oui. La taverne. Hein. Voilà. Ah, j'ai un peu de pierre là. Tout n'est pas utilisé comme du bar comme un barbare, ça c'est bien. Nourriture. On n'est pas bon là. Et là c'est un petit saloperie de désert. Je vais copier ça et je vais essayer d'en faire d'autres. Vraiment à 1 quoi, c'est c'est pas terrible. Hein. Là pareil, pas grand chose. Ok, là on est à peu près bon. Je vais coincer 2-3 maisons entre tout ça là. Voilà, ça devrait suffire. Parce qu'on a besoin de nourriture. Miam miam. Pompe d'irrigation. Ah, ça peut être intéressant à terme, ça. Bon, on va faire les autres choses. Mais la pompe d'irrigation, va être intéressante. Verrerie, oui, j'ai déjà ta verrerie, toi. Oui, histoire de. Alors que je vous explique le principe de la pompe d'irrigation. Je vais la mettre proche d'une source d'eau douce. Par exemple, ici. Pas dans mon territoire, forcément. Une source d'eau douce, une source d'eau douce qui est dans mon territoire. Bah dis, c'est pas ça, hein. Bon, allez, mettons là. Ça va pomper de l'eau douce. Et ensuite, je vais pouvoir tirer des canaux. Moi, je ne l'ai pas encore, mais c'est pas grave. Et hop, alimenter, irriguer les terres, et qui dit irrigation des terres dit les rendre plus fertiles. En gros, c'est ça. Donc, par exemple, là, oh là, oh oui, là, je peux tirer des canaux d'irrigation, là, tout le long, et rendre cette terre fertile. Donc, une terre de désert, je suppose, hein, désert à terre aride, désertique, je peux la rendre fertile. Un peu pour l'exemple. Voilà. Donc là, en récupérant tout ça, je vais construire une pompe d'irrigation là. Bon, ça prendra son temps. Et quand elle sera prête, bah on verra le résultat. Alors les vaches. Oui, mais les vaches, c'est normal. Le temps que ça se fasse, il y aura. Il n'y aura pas le temps qu'elle se reproduit, j'aurai pas de viande. Cuir. Allez, on va revendre encore et encore et encore et encore. Une verrerie, oui, il faut que je fasse une verrerie aussi. Qui va me permettre d'augmenter mes productions, ça c'est bien. Produit des verreries à partir du verre et du charbon. Mais bon, je n'ai aucune production de verre en fait. C'est ballot.
La vache, il y a du monde qui passe pour les tulipes ici. Hein. Mais ils ont pas assez. Hein. Ils ont un espace de. Ils ont un entrepôt, non? Quelque part? Il est où mon entrepôt? Ah, il est complet. Ah. Attendez, je vous en fais un plus proche, les mecs, ça vous évitera de. Les prévenir. Hein. Hop. Donc verrerie. Verre. Fonderie de verre. Moi j'ai une verrerie. Produit du verre à partir de sable et de charbon. Voilà. Mais j'ai pas de sable sablier, sablière. Donc, voilà, la sablière, là, par exemple. Là, j'ai quoi? J'ai une minorité de casse qui est au bord du sable, mais ça va produire quand même, quoi. Est-ce que ça ne fait pas avec l'autre? Les entrepreneurs, oui, je sais, je me doute. On va faire pas mal de sablières, on va en faire 4. Faut que j'arrête de construire des trucs, moi. Faut absolument que j'arrête de construire des trucs, je suis... tête en l'air. Bah oui, mais j'ai pas assez, j'arrête pas de pleurer, et au final, bah oui, mais... J'arrête pas de construire des trucs en même temps. Bon, des maisons. Ah, ok. On va pas les mettre là, les maisons. Bah, je suis obligé de faire les maisons, quand même, enfin, y a pas de... Voilà, quoi, c'est... Voilà. Je peux faire de l'enlèvement. Hein. Adieu. Vous savez quoi? On va utiliser nos cartes d'enlèvement. Tant qu'à se faire voler des thunes là. Ah bon? Merde. Il s'est protégé. On a dû voler là. Hein. Zéro, merde. Je crois que je peux plus enlever beaucoup de monde. Merde, mais c'est un pote lui. Ah. Non mais t'inquiète. On aurait vu. Tu vois, c'est. Non mais ouais, enfin voilà quoi. Oui, c'est possible, j'ai possiblement oublié que c'était un copain. Ouais. Ouvrier, oh la vache, oh oui, au boulot les mecs, au boulot, faut que j'arrête d'en importer en fait. Ça va me servir à ça, hein, la pompe d'irrigation. Ouais, là ça se construit tranquillou, là ça se construit tranquillou. Là ça picote par contre là. Consomme du bois papeterie, oui. Il y a quelques maisons qui se font. Même une taverne. Ok. Arbre techno, je mets horaire de travail. Oui, ouf. Hôtel. Après, il y a de la colonisation, c'est vrai. Les colonisations, ça oblige à faire des villes en double là, et j'aime pas trop le principe. Ah mais si, j'avais gardé plein d'ouvriers là libres pour couper le bois, etc. là. Tirer les pierres, couper les bois, là, les arbres, etc. J'ai oublié ça. Hop, allez. Carte Joker. Non, tu vas me faire des cartes de production. Enlèvement. Faut que j'arrête là aussi. Hein. Planifier un vol. Je sais pas si ça a marché, mais voilà. Baisser un peu en population, c'est pas grave. Bon, je planifie mon dernier vol en histoire de. Voilà, là, il va échouer normalement. Oh, un. Oh.
Le fromage, ils vendent pas des masses aussi? Ouais, si. C'est-à-dire, vous allez en bouffer du fromage, les mecs, hein. Je vais vous en faire du fromage, là. Intérêt à en manger, hein. Après, je sais pas comment j'ai de lait. Est-ce que je peux voir le lait? Le lait, le lait, le lait. Ah, j'ai pas l'air d'en avoir tant que ça, hein. Je vois pas ça, ouais, pas besoin de beaucoup plus de fromagerie en vrai. Ah, là c'est fait. Bon bah tout ça là il va falloir attendre. J'ai pas de pierre du tout. Je vais dupliquer ma carrière et je vais en faire une autre carrière de pierre quelque part. Je vais faire une extraction rapide des ressources. J'ai pas de règle de poursuite, j'en ai une. Je fais une construction rapide. Hop. Hop. On améliore. On améliore. Il me faut des thunes pour améliorer. Ben on va vendre pour améliorer. Tour pas. Très bien, très bien, très bien. Voilà, et j'aimerais bien avoir plus large, mais pas de pierre. Dommage. Ah, c'est ça, voler, c'est la rapine. Ouais, 63, d'accord. Ouais, bon, c'est pas intéressant non plus. Faire du contre-espionnage. Hein. Bon, ma règle de productivité, de production. C'est bien, c'était le deuxième qu'il me fallait. Ah, par contre, on va pas mettre, on va mettre en extraction rapide, pas en préservation des ressources. Parce qu'on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de pierres. Là, du bois, on va en avoir à gogo. Ouais, mais c'est parce qu'on en coupe. Tout à l'heure, je me faisais la remarque, je disais, ouais, on a vachement du bois, ça marche bien. Oui, bah oui, tu m'étonnes, vu tout ce qu'on coupe. C'est pas plus étonnant que ça. Hein. C'est marrant quand même. Là, d'un côté, on a date. Donc là, c'est quoi? Là, c'est désert. Ouais, c'est désert, hein, pourtant. Et là, on a des prés. Ok, là c'est un prêt. Des bouleaux, des orangers et tout. Stylé. Sablière là qui est en train de se faire. Hop, tiens. Voilà. Histoire qu'on soit pas trop en dèche en charbon, faut pas déconner non plus. Ah, quartier étranger, c'est bien, ça peut rapporter pas mal de, de sous, ça. J'ai trois canons. Et ça me laisse 5. 5 places. Je vais faire un canon et une mitrailleuse. Combien de mousquetaires? Ouais, bon ça. Bon, ouais, je vais les asservir, j'ai un peu de. J'ai un peu de population en rab. Oh, les herbes médicinales, vous voyez? J'ai plus de production, assez. Je produis plus assez. Ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, comme je. Bien. Ah oui, super en plus. Dommage. Voilà. Deux ateliers de l'apothicaire.
J'ai déjà mon canon, ah oui. Pourquoi je peux plus entraîner de troupes là? J'en avais 21 là tout à l'heure, c'est bizarre. Voilà. Étrange. Étrange. Aux outils en fer, il valait une blinde, tiens d'ailleurs, outils en fer. Outils en fer, et ouais, regardez là, on va bientôt devoir augmenter notre production d'outils en fer. Dommage. Je vais ralentir un peu la vitesse du jeu dans ce cas. Parce que entre les herbes médicinales et les outils en fer. Ah, si, d'accord, ouais. Non, les outils en fer, là, je vais devoir augmenter la production quand même. Oui. Alors, d'ailleurs, tu me rappelles que. Voilà. Ouais, il me fallait de la production d'outils en fer, etc. J'ai copié les mines, j'ai pas trop le choix. Oui, dans le bon sens, ce serait mieux. Alors, comme ça, on aura 2 mines de fer supplémentaires. Le quartier étranger. Je vais vouloir poser mon quartier étranger chez mes copains. Là, j'avais posé quelque part mon ambassade. Oui. Et là, j'ai bien envie de poser mon quartier étranger. Eh oui, 31 000. Ah ouais. Oui, ça va attendre le quartier étranger. Que je poserai. Il n'y a pas tant de. Ah si. Oh oui. De la place. Ouais, que je poserai dès que j'aurai un peu d'or. Alors. Ok. Alors, tac, tac, tac. On va. Essayer de prendre notre revanche là sur lui là. Il a 11 archers quand même. Et on va retenter la vassalisation. Bon, par contre, 11 archers, je suis pas serein non plus. Hein. Ouais, c'est ce mur-là qui est un peu costaud. Ils prennent cher. Hein. Ouais, ils prennent assez cher. Le mur, il prend cher, mais. Salopio de mur, quoi. On va voir, on va voir. On va essayer de tourner un peu et on verra ce que ça donne. Au niveau de la nourriture, ça dépend de ce quartier-là, là. Tout nouveau quartier. Ah, j'ai de la priorité au bétail, là. Priorité à la bouffe. Allez, on va accélérer un peu tout ça. Est-ce que je peux faire des. Non, je ne peux pas. Je vais revendiquer ces trois provinces-là. Pour les routes. J'avais pas vu, j'ai cette grande route là. Les ennemis ont renforcé leur défense. J'aime pas ça. Ah. Oh, je devrais gagner. En théorie, je suis censé gagner, mais je sais pas trop comment. Surtout si ça focus la milice. Ah, quoique. 200 points de vie. Ah ouais, non, mais les mousquetaires, là, ils prennent cher.
Heureusement que les mousquetaires, ils ont pas mal de vie, hein. Le problème là, c'est leur archer. Après, une fois que j'aurai atteint leur archer, il ne prend plus grand-chose, hein. Là, on peut voir, la milice prend assez cher. Tu me diras, mes mousquetaires aussi. Je vais vite recruter de nouvelles troupes. Que je ramène là-bas. Parce que là, je vais avoir un mousquetaire qui va tomber. Et à partir du moment où j'ai plus de mousquetaires, bah j'ai mes canons et ma mitrailleuse qui risquent de prendre cher, quoi. Un peu comme lui, il a renforcé en achetant des troupes, je vais faire pareil. J'ai moins 21% là, de bonus d'attaque à cause du de la distance. Bon, ça devrait passer après. Bon, j'aurais perdu des mousquetaires, quoi. Bon, après, j'ai un bon avantage technologique. Il a des murs. Et ça l'a bien aidé. Bon, voilà, je suis sur ces archers là. Ça devrait être assez simple maintenant. Je vais quand même renforcer. Allez, un en moins. Allez, 4 en moins. 5 HP. Et il va être vassalisé. Voilà, j'ai conquis Sven Agner. Ton puissance est incontestable, je suis battu. Ayez pitié. Et ils me fournissent un petit tribut. Ils m'embêteront plus surtout. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, mine de fer ici. J'ai vu que j'avais des règles de viabilité. Préservation des ressources. Ça me coûte en pierre encore. Attends. Où est-ce que j'ai mis une mine de pierre déjà? Ah oui, c'est par là, je crois. Non? Non, c'est par là-bas. Exact. Et là, on économise pour le quartier étranger. Limite, hein, quand même. Mais là, ma production d'herbes médicinales est très limite. Même ça, hein. Après, j'en utilise pour les remèdes et je suppose que les remèdes. J'ai besoin de. Enfin, c'est, on va dire, rentable. Mitricht. Ouais, j'ai déjà 10 000 briques. Oh ouais. La vache. C'est tant mieux, ça me fait du travailleur autre part. Travailleur, ça donne quoi là-bas? Wow, on a rien vu. Hein. On a rien vu. Ça, ça y est, ça commence à me produire de la viande. Viande et cuir, oh, intéressant, et lait. Là, ça me produit du cuir aussi. Ouais, peut-être falloir que j'en fasse quelque chose de ce cuir. Hein. Un coup de tailleur là, pareil pour la laine. Intérieur de laine, un tailleur de laine, un tailleur de cuivre. Je vais faire ça. Hein. Tailleur, hop. Ah ouais mais non mais pas ici parce que je vais avoir du fer ici. Oh merde, ils me font chier. Oups, sorti tout seul. Là aussi, oh là là.
Où est-ce que je vais pouvoir le foutre, lui? On va y finir là. Hop, un tailleur et un autre tailleur ici. Oui. Oui, voilà. Donc ici, ce sera pour point de cuir. Hop. Et ici, ce sera vêtements de laine. Ce sera l'inverse. Cuir. Et ici, ce sera laine. Parce que faut pas déconner non plus. Résumé de l'année 20. A perdu encore pas mal de population, et la population est vachement vieillissante. Hein. J'ai du mal à reproduire. Ils ont du mal à se reproduire, mine de rien. Purée. Heureusement qu'il y a de l'immigration. Hein. Tu me diras, il n'y a pas plus de dates. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'attractivité dû à. Ouais, voilà. Pas trop d'attractivité, donc ça doit être dû à ça. Allez. Sur ce, moi, je vous propose de me retrouver lors de la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiob. Ciao.